Un taureau attaque un torero par derrière et ça lui fait une plaie de 25 cm au rectum. 25 cm? Comme un pied. C'est presque votre règle de 30 cm à petite école. J'imagine qu'il y a une vidéo. OK, OK. Oh, oh, oh! 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 Ah, ha, ha, ha! Ouh! Aïe, aïe! Ah, man. C'est violent, hein? Oh, cool. Je comprends pas comment il peut marcher. Peter! Moi, je suis du côté du taureau, là-dedans. Comme arrêtez de faire ça. Un joueur de baseball professionnel évite de peu une violente collision avec des saucisses géantes. Des saucisses géantes! Oh, ils sont bien cute! OK, c'est ça. Oh, 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 oh! Oh, oh, et bateau! Il a passé entre les deux, hein? Il est comme paniqué! Il sort de où, ces saucisses? Une femme ivre vole un gros motorisé et sème la terreur dans les rues de L.A. Oh, GTA! Oh, boy. God. Eh! Ouf. T'es crampé parce que c'est une grosse roulotte, t'sais, un gros Winnebago. Tabarouette! Oh, mon Dieu, regarde ça. La moitié du Winnebago est arraché. Oh, impact! Y a un chien. Y a-tu un chien pour vrai? Y a un chien dans le motorisé? Lui, il vit genre sa best life, là. Il est au soleil, t'es beau. Tu vois, là, c'est l'histoire, je la trouve plus fun. Et puis le fun, l'histoire. Maintenant qu'il y a un chien en danger, je suis comme plus d'accord. Un ado de 13 ans s'insère 29 billes magnétiques dans le pénis par curiosité et doit être opéré à la vessie. Oh! Ça va pas du tout, là. Si je faisais à 13 ans, voyons! Je pense que les gens s'insèrent plus de choses dans le corps qu'on pense. Le monde est fucké, pour vrai. C'est pas agréable de faire rentrer des affaires là-dedans. Le test du Q-tip, y a rien qui rentre là-dedans. C'est pas le fun, là. Je me demande pourquoi il a pas arrêté la première. Parce que 29, c'est quand même un chiffre excessif. L'humanité m'exaspère. Qu'est-ce qu'ils ont les ados de 13 ans aujourd'hui qui juste se crossissent plus assez? Un héros saute dans une rivière pour sauver la vie d'un bébé chevreuil. Ah, ça, c'est une belle histoire. Comment on appelle ça, un bébé chevreuil? Bambi! C'est sûr que lui, c'est un amant de la nature. Ah, mon Dieu, il s'est mis en bobette pis tout, là. Il peut-être pas parler là à pied. Aïe, aïe. Il nage vraiment avec aisance. Il y a quand même du courant. Oh, Bambi. Il a sauvé Bambi! C'est quand même gros, un bébé chevreuil, le gars. C'est un athlète, quand même, là. C'est vraiment un héros. Après les boules magnétiques, ça redonne foi en l'humanité. T'sais, tu te dis encore du bon, quelque part. Là, j'aimerais pouvoir retourner causer des accidents sur l'autoroute.